Quand on est spirituel, pourquoi ça peut être difficile au début? C'est qu'on se perd dans l'énergie des autres. On ne sait même plus si ce qu'on dit, c'est correct. On se mesure tellement qu'on vient tout mélanger. C'est intense. On ne sait pas que parfois on parle à une personne, puis cette personne-là, elle ne s'intéresse pas à nous. Elle nous trouve un peu, voilà, simplet. Parce que elle a un commerce ou elle est un aîné. Ou ça peut être un enfant, ton propre enfant, ton adolescent. Puis là, t'es là, puis t'essaies de mettre l'harmonie, parce que quand on est spirituel, c'est pour ça que c'est difficile. C'est qu'on veut que tout aille bien. On est des bonnes personnes. Puis là, quand on se perd dans l'énergie des autres, on devient trop bon. Et on parle trop. À cause de ça, on parle trop. Puis là, on se rend compte, mais pourquoi j'ai dit ça? Je sais que ça t'est déjà arrivé. Tu es allé à une rencontre où tu reviens du travail, puis tu es dans l'auto, puis tu dis, je suis fatigué de jouer la game. Je suis fatigué de tout le temps avoir l'air heureux, être là pour montrer que tout va bien. Je me perds dans l'énergie des autres, dans cette dynamique-là, même de couple des fois. L'autre commence à moins t'aimer. Puis ça paraît pas, mais toi, t'es spirituel, donc t'essayes de compenser. Puis là, tu te mets à faire plus de ci, plus de ça, plus de compliments. Puis on dirait, plus t'es gentil, on dirait qu'elle te trouve comme que t'en fais trop, ou elle se demande pourquoi, puis ça lui tape ses nerfs, puis pourtant, t'as voulu bien faire. Des fois, on ne sait plus qui on est quand on est spirituel. C'est pour ça que c'est difficile. Combien de fois on peut se retrouver où on est devant une personne dans une conversation qui est vraiment ennuyante? On parle de sport, ou on parle de ci, ou on parle de ça. Pourtant, le sport, c'est magnifique, ça peut être merveilleux. C'est pas la conversation du sport qui est le problème. C'est que l'autre meuble, il meuble. Puis là, toi, t'es là, puis tu fais ta diplomatie. Voilà, ça peut être dans la famille, ça peut être dans une situation. Puis quand t'as pas beaucoup d'amis spirituels autour de toi, mais t'es comme un peu tout seul dans ton coin. Puis là, c'est comme... Puis des fois, tu le sais pas que t'es en train de devenir spirituel. Puis peut-être que là, tu écoutes cette vidéo-là en ce moment. Tu l'as trouvée sur Internet. Puis là, tu te reconnais. Puis là, ça fait comme, ah, c'est moi ça. C'est moi qui fais toujours le clown. Ou c'est moi qui, des fois, peux devenir trop intense dans mes principes. Puis l'autre me répond, mais voyons, pourquoi t'exagères? Puis là, voilà, on se perd dans l'énergie des autres, puis des fois on parle, puis l'autre n'est pas prêt à entendre ce qu'on veut dire, comme on souhaiterait le dire, puis les mots ne sortent pas bien. On
On se perd dans l'énergie des autres aussi parce que on veut trop être gentil. Puis on a l'air de ceux qui sont simplets. Puis dans le fond, on a voulu bien faire. Et on ne sait pas que des fois, la sagesse, c'est d'écouter. Dès qu'on sent un silence, on meuble. Puis on veut bien faire. Puis l'autre, ça, tu le sens après. C'est ça qui est particulier. Quand on est mélangé dans les énergies des autres, on va percevoir après qu'on a fait un faux pas ou on a fait une gaffe relationnelle. Pendant qu'on le fait, on a trop d'amour, on a trop, là, on a trop. Ou sinon, ça peut être le moins. L'énergie des autres, puis tout ce que... Puis là, tu sais plus qui tu es. Tu sais pas si tu as été juste ou pas juste. Qu'est-ce que tu dois répondre? Je le sais c'est quoi. Je sais que c'est pas facile être spirituel. Et plus tu vas pouvoir étudier, comprendre, analyser, plus tu vas devenir habile à utiliser ton radar. Mais ça prend du temps, la méditation, la réflexion, de l'auto-analyse de soi, pour savoir, est-ce que c'est venu de moi ou c'est venu de l'autre? Puis se perdre dans l'énergie de l'autre aussi. Là. Sais-tu c'est quoi? C'est vivre pour l'autre, puis s'oublier complètement. Est-ce que tu penses que c'est de l'amour? Je suis pas sûr.